Bon, on est là pour un BCS Live. Un BCS Live sur Ratchet & Clank 1. Donc, et quelque chose de spécial aussi. Je joue sur mon disque sur PlayStation 2. Donc, mon vieux disque que j'avais eu en 2002. Donc, mon premier disque. En fait, j'ai deux disques de Ratchet & Clank 2. Ratchet & Clank 1, je veux dire, sur PlayStation 2. Puisque mon premier ne fonctionnait plus trop sur le PlayStation 2. Mais j'ai mis dans le PlayStation 3 parce que vous allez voir plus tard, j'imagine. De même, vous savez déjà, je vais vous dire la BC Solus de Ratchet & Clank 1. Je peux même vous le dire tout de suite. Hein. Donc, je suis supposé de faire la BC, je suis sûr que vous savez déjà. Donc, pour la BC Solus de Ratchet & Clank 1, je vais utiliser ceci, le PlayStation 3, pour avoir, regardez, les 60 FPS. Regardez, je sais pas si vous pouvez voir. Par contre, j'ai changé quelques petites options, tiens. Et on va voir, comme ça, et voilà. Regardez. 60 FPS. Par contre, regardez ça. Regardez qu'est-ce qui se passe. Ah, pas si mal de gaffe, là. C'est beaucoup plus pire que de temps en temps. Des genres de ralentissements de fou. Regardez. On a pu un peu le voir, regardez. C'est injouable. Regardez ça. Par contre, parce que je voulais utiliser le PlayStation 3 parce que c'est un upscaler. Donc je peux jouer en j'enregistre en 480p. Ce qui permet de jouer d'enregistrer en 60 FPS. Donc je sais pour Maximo aussi. La BCD de Maximo. Et malheureusement, eh bien ça fonctionne pas. Non plus. Mais le jeu ne fonctionne pas du tout. Il embarque pas, j'imagine, parce que le disque est bleu ou quelque chose du genre. Je ne sais pas trop. J'essaie de le laver, ça n'a pas fonctionné. Quand même pour dire. Dommage, je voulais faire la BC Solus en 60 FPS. Sauf que regardez, on peut pas jouer comme ça. Réellement, le jeu est en 30 FPS sur PlayStation 3. Je sais pas pourquoi. Je sais, mes deux disques et les deux disques ont le même résultat. Même celui-là peut-être est même un peu meilleur, on dirait. C'est fou pareil. Donc c'est mon disque que j'ai joué depuis toujours. Quand même, premier. Parce qu'il ne fonctionne pas sur le PlayStation 2 normal. Quand même, oh mon dieu. Regardez ça, regardez. C'est pour ça que j'ai dit c'est injouable. On pourra jouer en 30 FPS, j'imagine. C'est quand même dommage. Je n'ai pas commencé à voir la BC Solus, juste pour vous le dire. À part si c'est de l'HD Collection, mais bon. Le Russian est quand même beau, mais le problème c'est que c'est quoi la meilleure version. Non mais regardez ça, oh mon dieu. Je dois absolument le faire la BC Solus sur PlayStation 2. Je sais pas pourquoi ça fait ça. C'est étrange. Non bon, je me suis dit juste un petit BCS Live vite fait. Aussi qu'on pourra faire. On va voir, on va aller jusqu'à Novalie. Si à Novalie ça fait ça encore, ben on arrêtera. Sinon ben on va bien voir. Regardez ça. De temps en temps c'est correct. De temps en temps, mais bon. Pas réellement tout le temps. C'est un peu le problème. Regardez ça. J'allons juste éviter les ennemis, tiens. Donc oui, mon jeu favori. Sur mon disque favori, j'imagine. Quand même comique. J'aurais essayé Ico un peu plus. Peut-être que j'aurais même pu j'aurais peut-être même plus enregistré en ICO le BCS test en 60 FPS sur le disque PlayStation 2, peut-être de ce temps. Là j'essaye à un moment donné. Bien, voyons voir. Très chers habitants de... Bien oui. Nous les blagues. Mais où sont passés les amis? Parfait, alors, donc passons, tiens. Bon, voyons voir. Entrer dans l'atmosphère de la planète Novalie. Voyons voir. Est-ce que... Je crois que oui. Oui. On a bien pu voir, regardez ça. Des ralentissements. Je ne sais pas pourquoi ça fait ça, par contre. C'est un peu stupide. Regardez ça, oh mon dieu. Bon, ben on ne repart pas par où on est venu. Peut-être qu'un des habitants pourrait nous prêter son vaisseau. À condition qu'il en reste. Je sais pas pourquoi.
C'est étrange. Oh mon dieu. Oh mon dieu, regardez. Et j'essaie avec les deux disques. Le sur le PlayStation 2, ça fonctionne très bien. Pas ce CD-là, mais mon autre. Mon autre CD fonctionne très bien. Par contre, oh mon dieu. Je pense que ce qui arrivait, c'est que ce CD-là ne fonctionnait plus, je crois. Je peux plus démarrer le jeu sur PlayStation 2. Et là, maintenant, sur PlayStation 3, les deux CD font ça. PlayStation 3 fonctionne encore plus mal que PlayStation 2 en tout cas. Pour Ghost Recon, ça fonctionne plus sur PlayStation 3, j'en ai absolument aucune idée, mais bon. Donc, en tout cas, je pense que ce qu'on va faire, c'est qu'on va se tester ici pour de vrai. Oh mon dieu, regardez le vendeur Gadgeton. C'est pour ça que je dis que la version PlayStation 2 est meilleure, regardez. Juste en regardant le vendeur Gadgeton, on peut voir. Ça, c'est un bon choix. Très bien fait. Mais bon. Donc, on va se tester ici pour CB6 Live, parce que, mon dieu, on va pas s'éterniser sur ça. C'est juste pour vous montrer le fait de la version PS2, mais surtout le, qu'est-ce que ça a l'air en 60 fps lorsque ça fonctionne correctement. Je peux trouver une zone où ce qu'on peut voir peut-être ici. J'en ai absolument aucune idée. Bon, on peut pas voir vraiment voir de zone. Regardez, là on peut voir, regardez. Regardez comment c'est beau, comment c'est fluide, regardez ça. Mais regardez après quand lorsqu'on regarde ici. C'est pas si mal de ça. En première version, c'est pas si mal. Regardez quand la fluidité. Ah, ça fait tellement du bien. Dommage. Mais bon. Je pourrais toujours faire la HD Collection, j'imagine, vu qu'elle est en 60 FPS aussi. Il est en 60 FPS. En tout cas, on va se laisser ici pour ce B7 Live. Et on va se revoir pour une prochaine vidéo. Donc, au revoir!